Je m'appelle Una English, je suis irlandaise, oui. J'habite à Londres et je suis ici en France avec mes trois enfants et mon mari qui vient de la Bretagne. Oui. Et on est là pour quelques vacances, j'ai 46 ans et avant j'étais athlète de haut niveau, je faisais les championnats du monde sur 5000 mètres sur la piste, oui. Pour l'Irlande. Et le cross, les mondiaux de cross, j'étais médaillée de bronze avec l'équipe. Rappelez-moi votre nom. English, comme non, la langue. Votre nom. Una, Una English. Le prénom c'est Una, ah, oui, et English c'est le nom de famille. Okay. Malgré le fait que je suis irlandaise. Donc voilà, je courais. J'habitais en France, j'habitais à Paris pendant longtemps et je courais pour SCO Sainte-Marguerite de Marseille. D'accord. Et maintenant j'ai fait, jusqu'aux Jeux Olympiques de Londres, je faisais le steeple. Oui. Et puis là j'ai arrêté de faire les compétitions et je suis entraîneur maintenant et je cours pour le plaisir. Et j'ai trouvé ça mais magnifique cette course, vraiment magnifique. J'ai beaucoup. Et c'est beaucoup la première fois que vous venez dans la région du Médoc? Non, c'est pas la première fois, ça fait plusieurs fois. Mais en fait la dernière fois que je voulais faire cette course, j'étais en pleine carrière et on a loupé le petit bateau qui traverse les Gironde. Ah oui, Verdon, ouais. Et du coup on a essayé de faire tout le tour pour arriver, ouais, ouais. Et on était trop tard. Donc cette fois-ci, j'étais plus lente que j'aurais été la dernière fois, mais je l'ai fait. J'ai beaucoup aimé. Donc mes trois filles ont couru. Ah bah donc, c'est super. Les deux autres, enfin l'année, celle de milieu avait gagné les deux et demi, ouais. Et je sais pas, le un et demi. Et donc c'est une journée de fête pour nous. J'adore que les enfants, je trouve ça génial pour que tout le monde puisse participer, les randonnées, les langues, le cours, pour les enfants. Pour moi, c'est ça, la course à pied. Ah, vous parlez super bien français. Remarquez, votre mari est breton, c'est ça ? Il est breton, de Vitré, auprès de Rennes. Et vous habitez à Londres ? On habite à Londres, ah, mais avant, on était à Paris pendant pas d'accord. mal de temps. Ouais. Bon, alors, vous reste à faire le marathon du Médoc. Ouais, voilà, mon mari l'a fait. Ouais. C'est à moi de... Je n'ai pas encore fait les marathons. Quand on fait la piste, ouais, on essaie de... Enfin, c'est difficile d'aller sur le J'ai envie surtout d'avoir une longue vie de course à pied. J'ai peur de me blesser, donc... Ouais. Donc, pourquoi pas, on verra, on verra. En tout cas, ce serait l'endroit pour le faire. En tout cas, merci beaucoup. Merci, et merci pour l'organisation. C'est vraiment génial, franchement. Ben, je le dirai. Merci.